ça, c'est trop quête là. Mais Chayla Palo dit tout, parce que le président pays a mobilisé ressources l'État pour faire de gros travail dans la rivière Campérien. Mobilisation faite dans la route Cavaillon-Belade, route Jérémy Corail, route Corail-Pestel, route Pestel-Kafouzaboka. C'est dans le premier grand riz, avenue Nicolas Geffra, rivière dans Ridike, en passant par avenue Katajena, riz Divivial, riz Prosper Fort, riz Monseigneur Maurice, riz Toussaint Louverti, avec une partie dans le deuxième grand riz. C'est parti la contentement qui vient avec Mounio. Je dis à nous recevoir le monde qui a porté le pays, qui c'est Jovenel Moïse. Parce que là où on a l'argent, pour faire route, on a l'argent, on a gaboté, on fait l'antisami. Mais à chaque fois que lui parle, lui présente dans la ville, là, lui vient garder le travail, lui, au moins nous sommes satisfaits. Parce que la ville n'a pas tellement pas de bon du tout. Mais là où même, on a monté ce que tu as une machine, qui est clou, qui est le clou. Pour moi, je suis crasé, je suis racheté tout le champ. Je ne suis pas capable encore. Je me sens satisfait, président. Je me dis, pour le président, je vais te poser. Je ne vais pas voter président. Je me regrette. Je me regrette de me dire que parce que là, on a parlé vraiment vrai. C'est quitter mon palais. Et puis, après, je vais appuyer. Même si mon mandat, qui est avec ta voix, je vais te poser. Je vais te poser à moi. Je vais appuyer à 100%. Nan mwen pase 2 mwa, kavan nan rive asfalte 22 km route nan debatman sid la. $100,000 américain. Jodi a, ak jefo prezident Jovenel Moïse, 1 km route koute l'Etat selman $400,000. Pran 22 multiplié. Batay kont korripsyon fè ke jodi a, 1 km route koute l'Etat $400,000 selman. Sa vle di, caravane nan fèk fè nan département sid la coûte l'état seulement $8,800,000. Faut que nous comprenions bien peuple haïtien, grâce à caravane changement nan 22 km route seulement pays arrivé économiser $22,000,000. Mais ça pour nous-mêmes nan population a doit comprendre, mais ça comme taxe nous a régler jodi a. En pile parole parler. Mais moun ba jam rete pou poser question fondamentale que yo dwe poser, qui ça qui cause misère, qui ça qui cause sous-développement. Depuis 40 dernières années, nous chita, nous pa jam travail pour aller vers infrastructure que nous besoin pour développer pays. Est-ce qu'un pays ka rete pou la vivre sans route? Est-ce qu'un pays ka rete pou la vivre sans glou pour moun bois, glou pour moun rouge jardin? Est-ce qu'un pays ka rete pou la vivre sans courant? Il est pas capable. Avant même parler de agriculture, avant même que me dit nous que Haïti son pays essentiellement agricole, n'a produit 42% manger nous consommer, faut travailler pour nous produire plus. Mais à qui bloc, dans qui route y a passé, à qui courant que n'a pas transformation. Ça yo m'a résoudre. Si n'a continué comme ça, si n'a calculé quantité route président Jovenel programmé pour le faire dans caravane pendant tout mandat là dans pays pendant 5 ans, on imagine un petit moment qui qualité économie pays a fait. Laisse ça, président Jovenel Moïse prend à l'aise pour le café plus l'école, plus l'hôpital, n'a pas qu'à courir l'université et n'a pas qu'à faire plus programme. Tout travail ça a fait là dans grand site pays, administration Moïse Lafontaine pour recevoir un goud dans main international là. Pour gagner une résolution Petro-Caribé qui signe. C'est un cop taxe population, c'est graisse cochon qui a cuit cochon. Il faut que nous disions tout, c'est dynamisme président Jovenel Moïse qui permet à Mounokaï commencer à bon jan asphalte qui a déposé sur route dans la ville. Président a parlé dans la campagne, dans la canette Timounio pour gagner une matière de reboisement. C'est ça que fait chef l'État dans le cadre de caravane changement. Gétan déjà mette sous pied 200 germoplastes et président promet pour gagner 10 centres modernes dans tout pays pour nous venir en capacité pour nous planter 45 millions plantilles dans tout pays chaque année. C'est que planter seulement 10 pieds bois. L'année qu'on nous avons 3 millions de monde à l'école chaque année. Nous avons privé planter plus de 30 millions de pieds bois dans seulement une année.
Mais pour qui ça, président, dans le cadre de caravane changement, a mis pressé, pressé avant mois décembre, 10 pépiniers dans tout le pays. 15 juillet passé, le président Jovenel Moïse a fait lancer. Le président a fait pose premier pied dans le fond des nègres pour lancer la deuxième pépinière. L'île pour nous commencer à rêver en grand gens dans le pays, pour nous commencer à rêver en couleur, pour nous bâtir tout bon vrai dans l'autre pays. Yon pays côté l'espoir qui a bougeonné. Yon pays côté Timoun a grandé après commencer à croire dans le pays yo, pour Haïti qui a retourné perle des Antilles. Caravane fait carré bay bon genre résultat. 2000 cailles pour construire dans grand site, 600 cailles pour moun nan nip, moun gandans a joine 600 cailles et puis moun nan site a bénéficier 800. Haïtien an pote kole parce que c'est moun ki nan zone yo côté caravane nan passé qui pou di ça k'ap passé parce que c'est yo qui vivent réalité yo, c'est ça qui différence là. Cause politique pas à continuer à faire section communale yo à province pays à souffrir encore. C'est en pile détermination, en pile calcul qui définit caravane changement. C'est tout accompagnement population. Jovenel Moïse, c'est dévouement employé CNE qui rivait permettre ça. Hier, nous t'es la Tibonite, jeudi à nous dans Sid, nous dans Nip, nous dans Grandance. Demain, nous dans Grand Nord, nous dans l'Ouest. Pendant 5 ans, président Jovenel Moïse, la caravane a fait tout 10 départements pays dans l'intérêt de la population.